Plus de 50 corporations de la population étaient face à son premier magistrat, Ousmane Brahim Djuma, gouverneur du Mont-Chari. Du département aux femmes vendeuses de poissons, en passant par la mairie, les services déconcentrés de l'État jusqu'aux représentants des clans de domaine, bref, toutes les corporations ont eu droit à 5 minutes chacune pour apprécier et ou critiquer la gestion du Mont-Chari par sa première autorité. Ousmane Brahim Djuma a su gérer 80% la province dont il a la charge durant les 14 mois d'exercice d'après sa population, qui le qualifie d'un gouverneur champion dans la gestion administrative. Soucieuse d'un avenir plus radieux de sa province, la population sarroise a suggéré, entre autres à son gouverneur, le désarmement des détenteurs illégaux d'armes, l'implication de la jeunesse dans les prises de décisions. Étant attentif à sa population, Ousmane Brahim Djuma a promis de transmettre ses doléances aux autorités de transition. Nous sommes le porte-parole de cette population auprès des plus hautes autorités et que nous avons porté haut vos doléances qui, la plupart, ont eu, n'est-ce pas, des résultats concrets que vous avez si bien cités. Je voudrais dire merci au président de transition, le général Mamadou Idriss Déby, d'avoir accepté les priorités de la population du Mont-Chari. Fier des réalisations faites par Ousmane Brahim Djuma, gouverneur du Mont-Chari, les citoyens de la Ville Verte ont promis à ce dernier de les soutenir dans toutes les actions positives pour la concrétisation de tous les projets restant au bénéfice de la province.